Pour le numéro 27, on nous demande de trouver une mesure manquante et le numéro n'est pas trop dur parce qu'au lieu de donner l'aire totale, il nous a donné l'aire latérale. Donc, première des choses, tu as un côté de 5 mètres. Tu pourras aller calculer ton périmètre de la base de 20 mètres. On cherche la hauteur du prisme, donc la distance entre les deux bases carrées. L'aire latérale, c'est PBH. Notre aire latérale, nous dit 160. Périmètre de la base, 4 fois 5, où tu peux écrire directement ton 20. Et en divisant par 20 de chaque côté, tu vas trouver une hauteur de 8 mètres. Tu peux te valider. 8 fois 5, c'est 40 mètres carrés. Fois 4, ça donne bien 160 mètres carrés.